je suis Sama Lukonde Kenge. Je suis fils de Faustine Kaputo et de Stéphane Lukonde, tous deux décédés. Je suis né à Paris, un 4 août. Et donc, j'ai fêté récemment mes 43 ans. Je suis marié et père de 3 enfants. Je dois préciser que je suis garçon unique d'une famille de 8. Donc, j'ai quand même 7 sœurs autour de moi. Et donc, quand j'ai atteint l'âge de 12 ans, mon père a choisi de m'envoyer à l'internat pour façonner ma personnalité. Et donc, c'est comme ça que j'ai passé un examen sélectif pour être admis à l'Institut technique de Mutoshi, où j'ai fini mes études secondaires. Et c'est ça l'option que j'avais choisie, chimie industrielle. En 2001, malheureusement, mon père est décédé cette année-là, et j'ai dû rentrer. En tant que fils unique et selon la tradition africaine, je suis revenu pour reprendre le flambeau, si jamais je peux le dire ainsi, l'héritage. En 2006, je choisis finalement d'entrer en politique et je pars à Kinshasa comme député national représentant la ville de Likasi. Et je suis parmi les plus jeunes. J'ai 29 ans à cette époque-là. Je suis le plus jeune député de cet hémicycle. Et ça me permet de découvrir la capitale, de découvrir le monde politique et tous ses rouages qui sont totalement différents d'ici au Katanga, où la culture est beaucoup plus au travail, à la mine, au champ. Donc, c'était pour moi une nouvelle découverte. Et par la suite, j'ai été membre fondateur d'un parti qui a fait ses preuves. Ce qui m'a permis finalement d'être pris au gouvernement, c'était le gouvernement dirigé par le Premier ministre Matata Ponyo à l'époque. Et j'ai été ministre de la Jeunesse et des Sports. C'était en 2015. Et là, je dois encore mentionner